gare, le long des rues, sur les trottoirs, dans les fenêtres, sur les toits, au parc Jeanne-Mance, au Ritz-Carlton, au consulat français, à la bibliothèque, partout des milliers et des milliers de citoyens de tout âge et de toutes conditions, saluant, applaudissant, acclamant le maréchal Joffre. La cérémonie d'inauguration dut être devancée d'environ une heure et ne dura tout au plus que 10 minutes. Le bibliothécaire Hector Garneau, le petit-fils de l'historien Félix-Xavier Garneau, qui avait remplacé Frédéric Villeneuve, décédé subitement en avril 1915 à l'âge de 49 ans, livra une brève allocution. Le maire Martin remit au maréchal les clés de la bibliothèque et l'illustre personnage s'enfuit aussitôt au Ritz-Carlton. Après nous avoir donné Jacques Cartier et Champlain, et d'Iberville, Montcalm et Lévis, Maisonneuve et La Salle, Frontenac nous envoie aujourd'hui la plus grande figure de son génie militaire et de son âme héroïque, le maréchal Joffre. Voilà. L'architecte de l'édifice est Eugène Payette et le style est Beaux-Arts. Si tu veux le supprimer, tu sélectionnes, tu fais supprimer. Oui, surtout. Moi, en fait, mon choix était assez limité, en fait, parce que le type C était encore nouveau. Okay. Ouais, on est un petit peu chaud, il va falloir se diviser les tâches parce que sinon, on va avoir des conflits. Voici ce que j'aurais dit. Et après, c'est bon, on va te dire.